eux-mêmes, c'est l'artisanat en général. Enfin, moi, est-ce que tu as vraiment entendu des choses en particulier aux artisans, mais c'est en train de changer. C'est des milieux qui peuvent être assez misogynes parfois ou racistes. On a souvent parlé ici. Et c'est en train de changer quand même. Après, les artisans, les compagnons sont davantage connus pour les métiers du BTP. C'est vrai que c'est des milieux quand même assez machos de base quand même. Donc bon. Mais ça change. Heureusement qu'il y a des personnes comme Laureline justement qui donneront une nouvelle facette à ça et ça se gommera petit à petit. Mardi, tu veux me piquer mon créneau de stream mardi matin, hein, Manon? Après, moi, j'ai pas le choix, je peux pas bosser trop l'après-midi. Je suis invité à un goûter. Sais pas, il y a ça. En plus, ok, d'accord. Après, il y a des corporations un peu différentes d'un métier à un autre, d'une région à une autre. Ça va très bien, Matsouz, merci beaucoup. J'ai trop kiffé ton t-shirt. Que t'as mis en story hier. J'ai bien aimé. Je veux le même. Et salut Falco. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis content que ça vous plaise. Il y a besoin de vous femmes dans l'impatisserie. Oui, c'est des métiers qui se féminisent. Il y a de moins en moins de préjugés dessus. Des opinions archaïques dessus. Pas que mythe. C'est une chose qu'il faut savoir avant de se lancer dans ce métier-là. Mais bon. Des fois, c'est en affrontant ces genres de choses-là qu'on les fait changer. Bon, ça me va plus du tout, cette playlist. Pardon pour ceux qui aiment Bryan Ferry, mais on va plus passer sur Lenny. Et merci beaucoup à Emily et à Sarah. Bienvenue à vous sur la chaîne du chocolat. Ça fait un moment que je pense à faire une chaîne Twitch en cuisine. La chaîne me conforte dans l'idée. Mais grave! Attends, je vois pas ton pseudo là-dessus par contre. Chatbits, ben. Franchement, il y en a plusieurs des streamers cuisine. Si jamais tu veux, le GOAT, c'est vraiment Chef JM. Il y a aussi Eve Bardino qui en fait. Tu as plusieurs streamers comme ça. Chez Gibus aussi. Ouais, je vais en faire, ouais, aider les noisettes. Ok. Ben ouais, n'hésite pas, franchement, c'est une super expérience. Moi, je suis content qu'il y ait justement cette facette-là de Twitch, autre que le gaming, se développe. C'est génial. Et du coup, tu ferais depuis ta cuisine? Avant, les métiers d'artisan sont encore victimes de la vieille France et le racisme ainsi que la misogynie s'était banalisée à l'époque. Oui, j'ai espoir dans les nouvelles générations que ça change. Après, ben, j'ai eu plein de collègues du même âge que moi qui garder ce côté vieille France aussi, donc c'est chiant, même sur le côté maltraitance aussi. Moi par exemple, je suis passé par des maisons où c'était vraiment pas rose, c'était vraiment à l'ancienne, et c'est pas pour autant que j'ai envie que ce type d'anciennement perdure. J'ai pas eu de coup de pied au cul, mais j'en ai vu. J'en ai vu, ou des tartes, ou des trucs comme ça. Enfin, des tartes, oui, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Mais je vais remonter la caméra du coup.